Voilà, petite vidéo d'une partie de Set Watch, un petit jeu solo, enfin coopératif, coopératif, mais bon, à mon avis, il vaut mieux le jouer en solo. On verra pourquoi, parce que là, il risque vraiment y avoir l'effet leader qui peut fortement gêner certains participants. J'expliquerai ça peut-être en fin de vidéo quand je ferai un petit bilan. Si j'y pense. Donc ça, c'est la boîte, cette watch. Et à l'intérieur, bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a le plateau de jeu. Enfin, du moins, il y a une partie du plateau de jeu. Ici, on a le feu de camp. Le feu de camp, avec toutes les activités que l'on peut réaliser. Ici, les cartes, on va positionner les cartes des différents lieux qu'on va visiter avant d'arriver sur le lieu final. D'accord? Et ici, je ne sais plus ce qu'on va. Ah oui, bah le lieu actuel, le lieu sur lequel on se trouve. Ici, des lieux que l'on va mettre de côté en début de partie, mais que l'on pourra éventuellement consulter grâce à une action qui se trouve sur le plateau. Et là, c'est la fameuse horde que l'on va rencontrer à la fin avec le boss. Alors, c'est quoi ce jeu? On a un groupe d'aventuriers. Quatre aventuriers, obligatoirement. On est obligé de prendre quatre aventuriers, quel que soit le nombre de joueurs. Et parmi six aventuriers. Donc le clerc, la dompteuse, l'archère, un guerrier, un voleur ou un sorcier. Enfin, on choisit parmi tout ça. On choisit ces quatre personnages. Et chaque personnage, qu'est-ce qu'elle a? Bon, le guerrier. Ici, une action que le guerrier pourra faire quand il sera au camp, quand c'est lui qui sera au camp, pour surveiller le feu. Ensuite, ici, on a un petit icône qui est important. On a soit cette icône-là, soit cette icône d'arc. Donc ça veut dire que celui-là, il ne peut attaquer que le premier de la rangée. Le premier qui va nous attaquer, celui-là, il peut attaquer le premier ou le deuxième. Hein, c'est uniquement ça. Donc, parmi mes personnages, eh ben, j'en ai deux qui attaquent en premier et deux qui attaquent les premiers et deux qui attaquent plus loin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des emplacements pour trois cartes. Trois cartes capacité, en fait. Parmi donc cinq cartes, au départ, on a cinq cartes. On nous demande d'en poser que trois. Et mettre les deux autres de côté qu'on pourra éventuellement, grâce à une action pareille du feu de camp, qu'on va pouvoir réattribuer si ça ne nous intéresse pas. Donc c'est quoi? C'est leur capacité. Chacun a des capacités uniques. Hein. Donc parmi ces cinq cartes, on a toujours une qui sera passive. Hein. Chaque personnage a une passive. Donc ça veut dire que cette action-là sera toujours valable. Sera toujours active, on va dire. Et puis toutes les autres, bah, elles vont s'activer. Elles vont s'activer, on les verra au fur et à mesure. Et deux faces, bien sûr. Une face en couleur où l'action, elle est réalisable. Et une face en noir et blanc où l'action est épuisée. Donc on peut plus la réaliser. Chaque personnage donc mettra ses cartes ici. On verra tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des dés. On a des dés. Chaque personnage, ici, c'est indiqué le type de dés qu'il pourra utiliser. Donc lui, c'est des dés 8. Donc j'en ai deux à dés 8, c'est-à-dire l'archère et le guerrier. Et deux ici que j'ai mis à dés 6. Un, c'est, comment dire, la voleuse et le sorcier. Voilà. Et ensuite, celui-là, le sorcier qui a aussi 3D. Voilà. Donc, quelle est l'histoire? On choisit ses personnages et ensuite, on va devoir aller chercher un damné, un boss, hein, que l'on sélectionnera au hasard en début de partie, parmi donc, là, 2, 4, 6, 9 boss, parmi 9 damnés. On va en mettre un de côté, on ne saura pas lequel. Et ensuite, on va explorer 7 lieux avant d'arriver sur le site final. Hein. Au cours pour chacun de ces lieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord choisir un des personnages qui devra, lui, garder le feu allumé. C'est important, le feu allumé.
Et donc ce personnage-là, il va faire toutes les actions qui se trouvent ici. Il pourra faire en début de partie toutes les actions qui se trouvent ici. Ou l'action mentionnée en bas de son plateau, là, c'est l'action campement. Donc chaque personnage va devoir passer au feu deux fois. Hein, on lui mettra un petit 1 quand au premier tour qu'il ira, et le petit 2 au deuxième tour qu'il ira. Donc si on compte bien, chaque personnage doit y passer au moins deux fois. Donc deux tours, deux tours, deux tours, deux tours. Ça fera 8 tours, les 8 lieux à explorer. Et quand on attaquera le dernier lieu, tous les personnages vont aller au combat. Il n'y a personne qui ira au feu. Alors, un personnage, voilà, ce sont les deux étapes. La première étape, c'est feu de camp. Et ensuite, ça s'appelle la phase de guet. Si on regarde un petit peu le déroulement de la partie, la phase de guet. Et au début, c'est la phase de campement. Phase de guet, ça va être quoi? Ben, on va aligner tous les méchants et il va falloir les tuer en utilisant nos dés. Hein? Là, dans ce jeu-là, il vaut mieux faire des dés à forte valeur pour pouvoir éliminer les ennemis. On verra en cours de partie. On verra en cours de partie. Voilà, bon bah je vais préparer vite fait la partie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a écrit déjà là, on a 26 ennemis. Non, là il y a 36 ennemis. 36 ennemis, ils nous disent de préparer le deck des ennemis en prenant que 28 cartes. Alors j'en enlève 8, donc 1, 2, 3, 4, 5. Attends, on va mélanger. On remélange, on remélange, on remélange. Une, on la met de côté. Deux, trois, cinq. Et on prend, ça devrait faire ces huit-là. Ces huit-là, est-ce qu'on en a bien pris 8? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Donc celle-ci, on les jouera pas. Donc là, on doit avoir en tout 28 cartes, on nous dit de rajouter deux acolytes. Deux acolytes, qu'est-ce qu'ils ont ces deux acolytes? C'est des personnages qui, quand ben, il va être révélé, c'est-à-dire qu'au départ, elles seront peut-être cachées, les cartes. Quand on va les révéler, eh ben, il va falloir déclencher cette action. Donc piocher une créature et ajouter-la à la horde. Okay? Et si l'acolyte il passe en première position dans la liste, parce qu'on aura une file de personnages. Il faut remélanger une invocation dans la pile créature. Ça, je vous expliquerai quand on y sera. Donc, je prends ces deux, je les mélange aussi avec nos 28 créatures. Voilà. On les mélange. On les mélange. C'est pas très pratique. Ça se mélange pas très très bien. Voilà. Ensuite, ils nous disent de choisir le niveau de difficulté. Choisir le niveau de difficulté, c'est quoi? C'est lié à ces cartes. Ces fameuses cartes invocation qui sont en fait assez puissantes. Quand on la découvre, en fait, on va devoir épuiser immédiatement une de nos capacités. Épuiser, ça veut dire que si notre capacité, elle était active, eh ben, il va falloir là l'épuiser, la retourner, d'accord, et remplacer cette carte invocation par la première carte de la pile des damnés. Placer cette carte au cimetière, celle-ci. Hein. Donc la pile des damnés, c'est la pile des boss, hein, des boss. Donc là, ça veut dire quand cette carte va apparaître, on va devoir rajouter un genre de mini-boss en cours de scénario. Donc moins on en a, plus la campagne sera facile. Et le niveau de difficulté, c'est le nombre de cartes qu'on insère dans le deck des monstres, des créatures. Donc ils disent facile c'est une, normal c'est deux, et après c'est... Bon, moi je vais en prendre que deux. Hein? Et donc celle-ci, la particularité, c'est qu'on ne la mélange pas tout dans le paquet, on fait deux paquets différents. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 15. On fait deux paquets équilibrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On fait autant de paquets qu'il y a de cartes invocation en fait. Et puis après, on mélange tout ça. Voilà, on les mélange. Pour être sûr. Voilà, premier paquet. Et deuxième paquet, pareil. On la prend, on la mélange. Et on la mettra par-dessus. En fait, on fait un paquet par carte invocation quand on l'aura mis dans le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on a au moins 11. Là, on a 15 cartes. 15 cartes avant d'avoir une invocation. Donc, on n'est pas forcément obligé de les avoir les deux tout de suite, comme elles sont très fortes. Et on les met l'une sur l'autre. Et après, bien sûr, on ne remélange pas. Donc, on a préparé ça, la fameuse rangée des personnages qui risquent de nous attaquer. Je la mets là. Ensuite, on a les fameux lieux. On a les fameux lieux que l'on va visiter. Que l'on va visiter. On nous demande de retirer tous les lieux. Il y a des petits lieux. Alors déjà, le lieu final. Le lieu final, on nous demande de la retirer. Et tous les lieux campement, où il y a un petit camp, là, ici, vous voyez, là. Donc c'est plutôt des lieux sympa, mais on n'a pas le droit de les prendre dans un premier temps. Après, c'est tous des lieux ben, méchants, hein, c'est les 8 lieux qu'il va falloir qu'on visite avant d'aller voir le boss dans sa tour interdite. Dans sa tour interdite. Donc on nous demande d'en prendre 8. 2, 3, 4, 5, 6... 8, allez, non, ça je le garde, donc c'est mes 8 lieux, on les mélange, enfin bon, on les a déjà mélangés un paquet de fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on met la tour interdite en dessous, et ces lieux-là, c'est les lieux qu'on va bien sûr aller visiter. Ces lieux-là qui nous restent, on va les mélanger, on va les mélanger les petits campements, les petits campements qu'on a mis de côté au départ. Et ce lot de cartes, on va le placer dans la boîte là, dans le fameux lieu inutilisé, mais qu'on va peut-être pouvoir utiliser parce qu'on a des actions ici qui pourront être intéressantes, qui nous permettront de changer un lieu ici par un lieu qui se trouve ici. Mais bon, on verra tout à l'heure. Ensuite, on nous dit de préparer les damnés, notre boss. Donc on nous dit, vous en prenez un au hasard parmi toute la liste là. Voilà, on en prend un au hasard, que l'on met tout en bas de la horde, celui-là on ne sait pas ce qu'on va attaquer, et après on nous dit d'en garder 8, je crois bien, je regarde vite fait dans la règle, comment on fait pour préparer le méchant, préparer le damné, mélanger les cartes damnées sans les regarder, piocher une carte et mettez là, face cachée dans la boîte. Ok, ça c'est fait. La horde est formée de cartes créatures qui seront ajoutées à la rangée. Bon, ça c'est... Je vous expliquerai en fin de tour. Plus importante... Ouais, piocher 7 cartes damnées et placez-les en une pile face visible. Là, il faut la face visible. Voilà, placez les cartes restantes à l'écart, mais bon, il n'y en aura plus qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-ci... Bizarre. Enfin bon, c'est peut-être pour les extensions. Et donc là, ils disent de la mettre face visible. Donc, peut-être le premier damné qu'on pourrait rencontrer en cours de partie, c'est celui-là. Donc, révéler. Alors ça, c'est quand on révèle la carte. Hein. On est obligé d'appliquer ça. Ici, c'est si on n'a pas réussi à exterminer toute la rangée, toute la file d'ennemis qui va nous attaquer pendant la nuit. On va devoir... subir deux dégâts, et deux dégâts c'est quoi? C'est
on retourne une capacité active sur, sur inactive par point perdu. Parmi uniquement les personnages qui auront combattu la nuit. Hein? Et si on ne peut plus en retourner, eh ben on a perdu la partie. Et ça, c'est les dégâts qu'il faut faire pour le tuer. Voilà, donc celle-ci, on la met. Bah, je vais peut-être plutôt la mettre ici, la pile des damnés. Non, plutôt là, parce que je vais plus utiliser cette pile-là que cette pile-là, je pense. Voilà, ensuite, donc on a tout ça, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Ensuite, on nous dit nos fameux personnages, nos fameux petits personnages. On nous dit de prendre de les mélanger. De les mélanger. Et donc de n'en prendre que trois. Et en plus, parmi les trois, la première, elle doit être, comment dire, comment, épuisée. La première doit être épuisée. Donc, je ne regarde pas. Il y a cinq cartes, j'ai pas de D5. Bon, c'est pas grave, je regarde pas, je dis hop, la troisième. 1, 2, 3. Celle-ci, elle sera épuisée. Vue perçante, jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. Ah, c'est pas mal ça. Donc elle est cachée. Elle est cachée. Et les deux autres, ben, je regarde pas, je vais prendre la 1 et 4. Allez, 1. Tir très longue portée. Éliminer n'importe quelle carte créature non révélée. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Donc celle-ci, elle est active. Et j'ai dit la 4, c'est celle-ci, passive. Une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Voilà, celle-ci, elle est là. Voilà. Ok. Donc elle s'est fait. Et ces deux autres actions, torpeur et sens elfique, et ben celle-ci je les mets à côté de son plateau jusqu'à la fin du tour. Révéler une créature de plus que permis par le feu de camp, annuler le déclenchement du prochain tour révélé. Bon, ça peut être bien. Et retourner face cachée une créature révélée, récupérer tout dévoilé par cette créature et placer la carte à la fin de la rangée. Bon, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, je pense que là je suis pas mal au niveau de mes cartes. Bon, celle-ci je les mets à côté de mon personnage. Mais bien sûr, elles ne sont pas utilisables. Allez, toi, là c'est la voleuse. La voleuse, qu'est-ce qu'elle va avoir? La voleuse, vite. Alors, pareil, la dernière, elle est bombe fumigène. Choisissez une créature révélée et considérez sa zone de texte de pouvoir comme si elle était vierge. Donc ça, c'est le fameux texte ici. Ça peut être pas mal. Et ensuite, on va prendre là, cette fois, les 2 et 3. 2 et 3, on les active. Celles-ci, on les met de côté. C'est quoi? Soupçon, non, coup sournois. Révéler deux créatures et éliminer une d'elles dont la vigueur est inférieure ou égale au résultat total de vos dés. Ah, c'est pas mal ça, pour tuer quelqu'un. Et l'autre, l'âme empoisonnée. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus 2 par créature révélée. Ouais. Bof, celle-ci. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et les deux qui manquent. Passive. Toute créature éliminée par la voleuse est retirée définitivement du jeu. Ah, ça peut être bien. Puis c'est passif. Révéler une créature et augmenter un de vos dés à sa valeur maximum. Vos attaques directes sont à portée 2 ce tour. Ok. Ouais, ça c'est pas mal ça. Bon, ben celle-ci, je vais les mettre. Ouais, je vais les mettre là. Ces deux petites dagues de guet. Après, toi, allez vite. Vite, celle-ci, elle est exhauste. C'est quoi? Onde de choc. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Ah, c'est bien ça. Et les deux autres, on va prendre ça et ça. Allez, c'est quoi? Illumination. Pour chaque point de feu de camp dépensé, révélez la prochaine créature de la rangée. Donc ça, c'est actif. Et lui, éliminer deux créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Bon. Je crois que celles-ci, elles sont quand même mieux. Éliminer une créature qui a un dé d'attaque assigné sur elle. Ah, j'arrête. Je reprends.
Je remets en marche. Et polymorphe, échanger une créature avec n'importe quelle autre présente dans le cimetière. Ouais. Celle-ci me paraît vraiment bien. Va peut-être falloir que je l'équipe. Pour l'instant, ce n'est malheureusement pas le cas. Et celle qui est vraiment utile, onde de choc. Onde de choc qui est vraiment bien, elle n'est pas active. Et puis le dernier, notre guerrier, notre guerrier, notre guerrier, notre guerrier. Allez, guerrier, guerrier. Alors, laquelle on désactive celle-ci. Coup tranchant. Si vous éliminez une créature avec un dé d'une valeur supérieure à sa vigueur, vous pouvez conserver ce dé à la valeur du reliquat. Ah, c'est pas mal ça. On réutilise son dé. On peut réutiliser le dé qu'on aura déjà assigné. Et puis après, ces deux-là, elles sont actives. Allez. Berserker, éliminez une créature révélée avec une vigueur inférieure à une créature adjacente que vous venez juste d'éliminer. Bon. Et infligez 8 points de dommage à une créature révélée en seconde position. Ah, ma hache de jet. Ah oui, parce que lui, il peut attaquer quand. 8 points de dégâts, c'est bien, c'est comme s'il avait un D8. Et les deux ici, fléau des géants, jusqu'à la fin du tour, tous les dés des aventuriers assignés à des créatures avec une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Ah, c'est pas mal ça. Diminuer la vigueur d'une créature révélée de moitié. Ah, c'est bien ça aussi. Oh, punaise, ces deux-là, elles sont vraiment mieux. Ouais, celle-ci est bien. Celle-ci. Bof. Éliminer une créature révélée avec une vigueur inférieure. Ouais, Berserker. Bon, je pense que celui-là est pas mal pour rejouer un dé. Mais bon. Ok. Bon, ça, on va les mettre là, nos petits trucs. Voilà, donc bon, on a fait tout ça. On peut mettre la petite carte d'aide de jeu là. Voilà, nos petits jetons. Et ils nous disent en début de partie, la dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est mettre notre petit feu sur la position 7 du feu de camp. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les soirs, hein, eh ben, on va être attaqué par des ennemis. Une file d'ennemis, on va être attaqué. Et cette file d'ennemis, en fait, elle vient cacher. On ne sait pas quel monstre va venir nous attaquer. Et ce feu-là, suivant la force du feu, il éclaire plus ou moins loin. Et donc, si le feu, il est entre la valeur 1 et la valeur 7, et la valeur 6, on va dire, on ne peut révéler qu'un seul personnage, le premier de la rangée. Par contre, dès qu'on arrive à 7, on peut en relever 2 jusqu'à 11. Et un troisième, le troisième de la liste, de la file, quand on arrive à un feu de 12. On nous dit au début, on se met en 7, ou alors, si on veut un peu plus de piment, on jette un D8. Hein, on jette un D8 et on met la flamme là, sur la valeur obtenue. Donc, on peut avoir un 8, mais on peut avoir un 1 ou un 0. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut retourner le premier lieu. Retourner le premier lieu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce lieu-là? On ne le fait pas lors du premier tour. Mais quand on découvre une carte comme ça, ici, c'est la valeur du feu qui doit diminuer. Donc si on avait été à 7, on aurait dû diminuer de 3, descendre à 4. Hein? On aurait dû descendre à 4, mais lors du premier tour, on ne le fait pas. Et ici, c'est le nombre d'ennemis qui seront dans la rangée qui va nous attaquer la nuit. Là, on a fait une petite pause dans une ancienne crypte, hein, tranquillou. Hein? On pensait être calme. Hein? On commence notre périple là, et puis une petite crypte abandonnée. Hop. Et là, il y a marqué, si un damné est invoqué ici, vous pouvez choisir lequel dans la pile des damnés. Ah. Donc ça, la fameuse carte invocation, on pourrait choisir le damné, choisir le plus facile. Donc finalement, celle-ci, elle n'est pas trop trop méchante. Et dans ce cas-là, celle-ci, on la positionne ici. Voilà. C'est tout. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué relever le lieu suivant. Bon, ça, on l'a fait. Lancer les dés. Maintenant, chaque personnage va lancer ses dés. Alors, nous, 2, 8, 2 et 2. Eh ben, c'est pas top, 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 sachant qu'il faut faire des gros dés.
La guerrier. Ah, 7, 7, 2. C'est pas mal ça. 7, 7, 2. Et puis les deux autres, bah, ce qui est bien, c'est comme c'est des couleurs différentes, on va pouvoir lancer tout en même temps. Oula, 1, 2, 2. 1, 2. Ah oui, mais sauf que le problème, c'est que je ne me rappelle plus la couleur. Ah ouais, 1, 2, 2, je crois que c'est toi. Et toi, 3, 1, 4. 1, 3, 4. Ouais, bah là, les tirages, ils sont vraiment pas extraordinaires. Donc là, il y a marqué, on lance les dés. Ensuite, on choisit qui reste au camp. Alors, qui reste au camp? J'ai bien envie de laisser le sorcier, parce que le sorcier, il y a déjà sa carte là à récupérer. Relever, révéler deux créatures et éliminer une d'elles dont la vigueur est inférieure. Ouais. De vos prochaines attaques directes, le groupe inflige plus de dégâts. Ça peut être pas mal. Choisissez une créature révélée. Ça, je peux pas le faire. Eux, ils ont quand même des valeurs, on va dire, raisonnables. Je vais donc dire que c'est notre sorcier. Je lui mets un petit jeton, hein. Toi, tu vas rester au camp. Donc, au camp, qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Le sorcier, il peut faire activer en fait ça, activer ça en prenant en fait un dé et le mettant sur la case. Il dit, moi, je vais activer ça, je vais faire ci. Par exemple, là, si je l'activais, c'était piocher les trois premières cartes du paquet des lieux inutilisés, c'est-à-dire les paquets qui sont là derrière, et choisissez une carte lieu à échanger avec la carte du dessus de la pile quête. Donc là, je pourrais voir et puis choisir, replacer les cartes restantes au dessous de la pile inutilisée. Alors ça peut être pas mal pour aller essayer de prendre en fait un, comment dire, prendre un lieu campement, un lieu campement qui sont intéressants. Un des lieux campants qui sont intéressants. Voilà, donc bon, j'ai dit soit. Voilà, donc je peux faire cette action-là, et je peux faire l'une de toutes ces actions-là. Alors, il y a soit planifier, planifier, mais là, il me faut un dé à 4 ou plus. Bon, ça tombe bien, j'en ai un. Je pourrais la faire. C'est quoi l'action planifier? C'est marqué. Piocher la première carte de la pile de quête et de la pile de lieux inutilisés. Choisissez-en une et placez-la en haut de la pile quête, la carte restante est placée sous la pile des lieux inutilisés. C'est exactement la même action que celle-ci. Sauf que là, on pioche qu'une carte là, alors qu'ici, j'en pioche trois. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, je pense que je ne vais pas la faire. S'équiper. S'équiper avec un dé, c'est. Eh bien, c'est bien, c'est pas compliqué. Échanger une carte capacité de votre plateau personnel avec une de vos cartes capacité laissées de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les cartes que j'ai ici, je peux dire, bon ben non, je vais en prendre une autre. Je pense que même, c'est peut-être ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Donc ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas besoin de dés de valeur. Hein, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a soigné. Soigné. Par contre, il faut un 6 obligatoirement. Soigner, c'est rafraîchissez une capacité épuisée pour vous-même ou une sentinelle. Donc pour moi ou pour les collègues. Mais il me faut un 6. Vraiment un 6. Moi, j'ai pas de 6. Ce ne sera pas possible, ça c'est clair. Et c'est là où je voulais venir, que vaut mieux pour faire ça, vaut mieux avoir des D6 que des D8. Hein. Parce qu'on a plus de chances d'avoir un 6 avec des D6 qu'avec des D8. Parce que ce n'est pas 6 plus, hein, c'est vraiment un 6 qu'il faut. Après, c'est observer. Observer, alors vous voyez, il y a trois emplacements. On pourrait le faire trois fois avec des dés. Qu'est-ce qui nous fait? Observer, observer, trois emplacements. Piocher et regarder les deux premières cartes créatures de la pile. Réarrangez-les deux cartes et replacez chaque carte au-dessus ou au-dessous de la pile. Et replacer chaque carte. Hein. D'accord. Donc là, c'est pour au niveau d'ici. Je regarde donc les deux cartes
et je regarde où, si soit je les remets là, soit je les remets en dessous. Enfin, je fais ce que je veux avec ces deux cartes. Et je peux la faire trois fois. Par contre, c'est bien indiqué là, supérieur, supérieur. Si je mets un dé ici, si par exemple je mets mon dé 1 là, il faut que celui-là il soit supérieur. Donc je pourrais mettre mon 3 et là mon 4. Voilà, on pourrait faire ça. C'est observer. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Pas... Et couper du bois, bah, c'est pas bien compliqué. Couper du bois, c'est augmenter la valeur du feu de 2. C'est-à-dire qu'ici, je coupe du bois, le feu, il augmente à 7. Si je mets un dé, 2 dés, 3 dés, je pourrais monter à 13 grâce à 3 dés. Mais bon, c'est quand même important parce que dès que on descend sous 7, eh ben, au niveau de la file qui va nous attaquer, eh ben, on ne verra plus le deuxième personnage. Ça, c'est un petit peu gênant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il reste des actions ici, sur cette fameuse carte. Sauf que là-dessus, pour les jouer, il faut des doubles ou des triples. Hein? Et si on a des doubles, eh ben, on les positionne sur chacun, sur les deux icônes, enfin les deux emplacements qui nous intéressent. Et si vous arrivez à lire, il y a marqué sceller, vaincre ou soutenir. Ouais, c'est ça. Et là, c'est marqué sceller, c'est retirer un damné du cimetière et placer-le au-dessous de la pile des damnés. Donc ça, c'est bien, parce au fil des tours, là, enfin, on va tuer, on va remplir le cimetière. On va remplir le cimetière. Ces cartes-là, en fait, elles vont disparaître au fur et à mesure. Et tous ceux qu'on aura tués, ils vont partir au cimetière. Le souci, c'est que, comment dire, quand la pile est vide, on va remélanger la défausse, c'est-à-dire le cimetière, on va la remélanger et la remettre. Donc, on risque de rencontrer encore des damnés. Donc là, c'est pas mal. Sceller, c'est retirer un damné. Si on a un damné dans le cimetière, on peut le retirer et le mettre là-dessous. Donc, il pourrait venir, mais bien plus tard. Même il ne reviendrait pas, je pense. Ensuite, on a vaincre. Vaincre, c'est retirer du jeu la carte créature du dessus de la pile Horde. Donc cette carte-là, la Horde, elle va se remplir. Hein, quand, à la fin du tour, si on n'a pas tué tous les personnages de la file, ils vont nous attaquer et ils vont finir dans la Horde. Hein. Et à la fin du scénario, dans la dernière, dans le dernier lieu, ceux-là, ils vont se rajouter au personnage de la file. Donc ça va faire beaucoup de personnages. Si on arrive à épurer ce tas là, ça serait bien. Ça serait plus facile lors du dernier tour. Alors là, ma question, si on le fait dès le début, on a plus notre boss. Hein, si, parce qu'il y a marqué retirer du jeu la carte créature du dessus de la pile Horde. Ben, oui, mais là c'est une carte créature, si je la retire. Bon, je ne vais pas le faire au premier tour, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que créature, c'est un damné? Est-ce que... Je ne sais pas si on peut considérer que ça soit un damné, mais si s'il y a un damné qui rentre dans la horde, face cachée et qu'on le retire, on ne sait pas que... Bon. On ne sait pas que c'est vraiment un damné. Bon. Et dernier, c'est soutenir. Tous les aventuriers sentinelles peuvent relancer les dés de leur choix. Donc ça peut être bien aussi. Et donc, si on fait un double, on choisit deux. Si on fait un triple, on est obligé de choisir les trois, quoi. On est obligé de faire les trois. Bon, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je me dis que petit 1, je vais, avec ce petit dé bien nul, téléportation. Piochez les trois premières cartes du paquet de lieux inutilisés et choisissez une carte lieu à échanger avec la carte du dessus de la pile quête. C'est celui-là. Ah, celui-là, feu moins 3, les marais fétides. Chaque fois qu'un pouvoir de première position d'une créature est activé, diminuez la valeur du feu de 1. Ah ouais, ça peut faire mal, ça. Déjà, on se prend moins 3. Donc, et puis, à chaque fois que on va retourner un personnage avec première position, enfin, qu'on va activer la première position, on va faire baisser le feu. Ça peut faire mal. Et donc on a dit de l'autre côté, c'est trois cartes. Une, deux, trois. Alors, est-ce qu'on a un camp? Ah oh, mince, il n'y a pas de camp. Voilà, dis donc, ça commence pas terrible. Alors,
La portée de tous les aventuriers est augmentée de 1. C'est pas mal quand même. Mais moins 4 en feu et 7 ennemis. Là, 6 ennemis, moins 3 en feu. Tous les aventuriers avec une carte capacité épuisée rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte capacité active différente. Ça peut être pas mal si on choisit les cartes à épuiser. Augmenter la vigueur de tous les gobelins de 3. Voilà, c'est la caverne des gobelins, c'est sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de gobelins? Je sais pas. Moins 3, 6. Tous les capacités avec quatre capacités rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte capacité différente. Mais si j'ai toutes les cartes actives. Et là, on a 7 ennemis, là, on n'a que 6. Franchement, bon, celle-ci, je ne vais pas la prendre, ça c'est sûr. Elle fait moins 3. Est-ce que je prends les gobelins? Mais j'ai 8 ennemis, ça fait beaucoup. Le monolithe. Et le feu, moins. Allez, on va essayer. On va essayer ça. Prochain tour. Est-ce que j'ai des cartes? Berserker. Jusqu'à la fin, augmenter. Et choisissez une créature révélée, considérez son pouvoir. Ouais, celle-là, non, finalement. Est-ce que je me prends moins 4? 7 ennemis. 4 feux, ça va me faire forcément augmenter mon feu là. Ouais, là, j'ai pas eu trop de bol là. Il y a marqué replacer les cartes restantes au-dessous de la pile des lieux inutilisés. En fait, je sais pas combien il y a de lieux. Je regarde vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a encore 8. Hein, donc, bon. Allez, on va dire, on va prendre. Allez. Les gobelins. Parce que ça, quand même, c'est pas terrible. Allez. Ça va me faire 8 et demi quand même. 8. Avec une capacité épuisée à portée de tous les avantages augmentée de 1. Et là, c'est 4 du feu. 4 du feu, c'est beaucoup. Oh, putain. Allez, bon, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci, donc on la retourne. Bah, déjà, je peux la mettre comme ça, je saurai que c'est la prochaine. Et ceux-là, on va quand même les remettre un peu dans quel ordre, je sais pas trop. Marais fétide. Celle-là, quand même, elle était, ouais, bon, pas si nulle que ça. Enfin, en dessous, en dessous. Ok. Une chose que j'ai pas faite, c'est qu'il y a marqué, quand on commence son tour de campement, le joueur rafraîchit une carte. Donc, il rafraîchit forcément une carte. Donc, il avait que celle-ci qui était épuisée. Donc, ça, c'est bien. Il active ça. Deuxième action, j'ai bien envie de m'équiper. Ah ouais, mon dé, c'était quoi? 3, je crois. Ouais, il faut que je fasse attention. De m'équiper, donc je vais prendre quoi? Laquelle? Polymorphe. Éliminer une créature. Ouais, il y a déjà un dé d'assigné sur lui. Et donc on remplace donc la carte et on la met dans le même état que la carte remplacée. Donc si elle était inactive, on la met inactive. Pour chaque point de feu de camp dépensé, révéler la première. Éliminer deux créatures. Ouais, on va prendre ça. Voilà. Voilà. Et dernière action, j'ai bien envie de couper du bois, en fait. Je me dis, je vais couper du bois quand même pour augmenter à 9. Voilà.
Donc là, on a fait les actions de... Ah, petite pause. Voilà, on reprend. Donc, on a fait toutes les actions. Donc, je déplace ça. Hop là, comme ça. Et il y a marqué phase de guet. Disposer la rangée de créatures et révéler les cartes en fonction de l'intensité du feu. Choisissez dans quel ordre vous dépensez les dés pour des attaques directes ou activer des capacités. Épuisez une carte pour augmenter le feu de 2. Bon, des fois, on peut épuiser une carte pour augmenter ce feu. Donc là, on a notre petit paquet et on voit qu'ici, il y a 7 personnes, 7 et demi, 3, 4, on va les mettre comme ça, 5, 6, 7, on va les mettre comme ça, nos petits personnages là. Ou alors, tout simplement, j'essaie de décaler ça pour les mettre en ligne. Parce que c'est vraiment une ligne, quoi. Voilà, comme ça. Ils sont comme ça, nos persos. Les... Voilà. Ils viennent et... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Notre feu, il a été bien entretenu. Donc, on peut voir deux personnages. Deux personnages. Donc, le premier, on le prend et on le retourne. Un ours. Il va nous faire un dégât et il a 4 points de vie. Il n'a pas de pouvoir. Donc ça, c'est bien. C'est bien, il n'a pas de pouvoir révélé ni première position. Donc ça, c'est très bien. Ici, lui, il a quoi? Ah, oh, invocation. Épuiser immédiatement une carte capacité, puis remplacer cette carte invocation par la première carte de la pile d'année et placer cette carte au cimetière. Ok, donc toi, tu es là. Et donc révéler, placer les deux premiers morts-vivants du cimetière dans la rangée, devant le nécromancien le plus faible en premier. Ouf, on a de la chance. On a de la chance, on n'a personne encore dans le cimetière. Donc notre petit damné, après c'est quoi un loup-garou? Oh. Donc, on a ça. Invocation, donc après on devrait être quand même plus tranquille. Une, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au tour prochain, 6, ça fera 13. Bon, on ne devrait pas avoir d'autres invocations le tour prochain. Donc il y a marqué épuiser immédiatement une carte capacité. Alors, une carte capacité, je me demande si. Les minima non révélés, une fois par tour, vous pouvez relancer un dé réutilisé et réutiliser un dé dépensé. Vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Et toi, soupçon, coup sournois ou lame empoisonnée? Plus 2 par créature révélée. Ah là, ça me fait que 5. 5, c'est nul ça. Révéler deux cartes et éliminer l'une d'elles dont la vigueur est inférieure ou égale au résultat de vos dés. Oh, bah 5, ça va être un peu nul, hein. Non, je pense que je me dis que c'est peut-être toi qui vas. C'est bien dommage parce que t'as pas d'effort dés, mais toi, tu iras sûrement te reposer au tour prochain. Et puis comme il y a l'action... Ah oui, c'est au tour d'après. Tous les aventuriers avec une capacité épuisée rafraîchissent avec une capacité épuisée. D'accord. Ok. Donc ça c'est fait, on a invoqué. Et donc maintenant on joue. Et c'est là le problème du l'esprit leader, c'est que tout est sur la table. Tout est sur la table et on peut jouer n'importe comment. On peut d'abord jouer lui. On peut ensuite faire une action ici, etc. Donc c'est, il faut faire des combos quoi. Il faut essayer de réfléchir pour optimiser au maximum. Et là, malheureusement, je pense que c'est là que peut y avoir des soucis avec l'effet leader quoi. Faut vraiment faire attention dans ces cas-là. Dans certains jeux, ils essaient au moins de cacher ça, de masquer ça en donnant des cartes, mais les cartes, elles sont pas visibles à tout le monde. En cachant un petit peu. En gardant un petit peu du secret, quoi. Là, il n'y a aucun secret, on voit tout.
On voit tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il n'a pas de truc première position, donc c'est pas mal. Et lui, il a un ours. Après, pour jouer ses capacités, il faut mettre un dé dessus. Après, on peut mettre un dé dessus. Et après, on peut l'épuiser. C'est-à-dire qu'on peut en plus la retourner pour faire une deuxième fois cette action. Parce que là, en mettant mon dé, j'épuise pas ma carte. Elle sera disponible au prochain tour. Par contre, si je la retourne, bon là, elle est vraiment épuisée, je ne pourrai pas l'utiliser lors du prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois par tour, vous pourrez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Alors, est-ce que je prends ces... Éliminer n'importe quelle créature non révélée, ça peut être pas mal. Une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Ouais, et puis là, ah ouais, mais le problème c'est que t'as des dés vraiment nuls, toi. Bon, on va faire ça. On infliger 8 dommages à une créature révélée en seconde position. Ah, c'est pas mal ça. Ah bah voilà, on fait ça. J'active ça. Une créature révélée. C'est pas un damné, mais... ça m'énerve ça. Déjà, on ne sait pas si damné, c'est une créature ou pas. Ah! Parce que là, c'est marqué créature. Les autres, je ne sais pas. Infliger 8 dégâts, 8 dommages à une créature révélée en seconde position. Ouais, sinon, il ne mettrait pas créature. Éliminer une créature révélée avec une vigueur inférieure à une créature adjacente que vous venez d'éliminer. Donc si je tue celui-là, à une créature révélée en seconde position. Si je tue celui-là avec 2 et 7, éliminer ça, je vais la jouer avec un 2, ça je suis sûr. Ici. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts. Ben, on va faire ça. Allez, on y va. Ça, je le garde. Je fais un petit 1 pour faire ça. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts par créature révélée. Deux dégâts par créature, mais ah, ça me... Ah, ben, je vais dire qu'un damné, c'est une créature, hein. Ils vont pas m'enquiquiner parce que là, c'est pas clair. Hein, damné, damné, est-ce que damné, c'est marqué que c'est une créature? Ça me... Il n'y a même pas damné. Damné, on ne sait pas. Est-ce qu'un damné est une créature? Vous... Vous pouvez remporter la partie sans éliminer toutes les créatures. Ouais, bah, c'est une créature, hein, pour moi, hein, parce qu'il y a marqué, il y a marqué carte créature, créature. Il parle d'un acolyte. Préparer les damnés, mélanger les cartes damnées sans les regarder, piocher une carte. Là, il parle vraiment de damnés. Et qu'est-ce qu'il parle de 9 cartes créatures damnées. Bah, c'est des créatures aussi. Allez, oh, hein, on va pas. Allez, on fait comme ça. On va se dire que c'est une créature. Donc on y va. Donc là, ça fait les deux prochaines attaques directes du groupe inflige 8 dégâts. Éliminer une créature. Ah oui, mais infliger. Ah oui. Infliger 8 dégâts avec une créature. Ok, donc on fait ça. Mais un petit 2. Infliger 8 dégâts, 8 dommages à une créature révélée en seconde position.
Aux deux prochaines attaques directes. Ah, c'est pas une attaque directe. Oui. Donc 8. Alors celle-ci, on va la mettre là pour l'instant. 8 plus 1, ça fait 9. Huit plus un, ça fait 9. Donc celui-là, on va dire, vu qu'il est en seconde position, il est mort. Celui-là, il est mort. Le dé, on le met là. Il vole dans la pile. On retourne celle-ci. Est-ce qu'il y a du révélé? Ah, aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. Ah, aucune attaque directe. Donc ça, c'est pas trop gênant. Donc on l'a révélé. Oui, enfin, le golem, c'est ça. Hein. Oui, là, c'est pas marqué créature. Ouais, on va faire ça. Ensuite, j'ai un 8 quand même. Et puis j'ai dû porter. Allez, 8, on le supprime. 8, on l'a supprimé. Hop, 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 hop. Ensuite, révéler. Déplacer les gobelins en première position. Alors, si je déplace, ça se passe. Ah, les gobelins, ouais, ils nous sautent dessus, les petits coquins. Hein. Ils veulent vraiment venir. Je pourrais faire un 7. Je vais faire, avec mon 2, éliminer n'importe quelle créature non révélée. Toi, allez. Ah, c'était un géant des forêts permanent. À la vigueur du géant est toujours ajoutée la vigueur de base de la créature derrière lui. Ah, révéler la prochaine créature dans la rangée si nécessaire. Bon, bah, toi, c'est bien. Donc, il nous reste 4 ennemis. Donc, avec ça, je pourrais tuer ça. Avec ça, je pourrais tuer ça. Ça va descendre. Mais après, il me reste. Deux et deux, je pourrais tuer. Je pourrais tuer celui-là. Une fois par tour, vous pouvez relancer, réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Ouais, mais. Alors là, ouais, je vois pas trop. Un dé dépensé pour une attaque directe. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Oui, ben on va faire ça, peut-être. On va mettre plus 2 ici. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus 2. Donc toi, tu peux te taper à distance, donc tu tapes lui. Ça te fait 4. Ouais, mais t'as plus de dés après. Donc plus 2, ça fait 4. Une attaque directe, en fait, c'est une attaque à portée, quoi. Ok, donc toi, ton dé, il est cuit aussi. Ah, 7. Première position, moins 3 au feu. Ah, première position, ça c'est moins 3 au feu. Ça ne me va pas, ça. Parce que moi, à moins que j'épuise celle-ci pour faire 8 dégâts. Parce que dès qu'il va passer première position, il va faire moins 3 au feu. On va tomber à 6. Oui, parce qu'il n'y a plus personne qui attaque de loin là. Ouais, j'ai plus qu'un 2. Oui, il n'y a plus personne qui attaque de loin. Ou alors je fais moins 3 au feu. Ben ouais, parce que là, le problème, c'est que j'ai
qui est vraiment pas débondé, hein, de... Ben, je vais faire ça, hein. Toi, je te retourne avec ton dé là. Donc inflige 8 dégâts à la créature révélée en seconde position. Donc ça, toi tu descends 8 dégâts. Ok, toi tu descends un aigle. Bon, ben, après c'est bon. Après c'est bon. Voilà, donc ça, je prends mon 7. Éliminer une créature révélée avec une vigueur. Ah non. Ah oui, non. Donc toi, je te tue. Ouais, de toute façon, ça vaut pas le coup. Éliminer. Alors attends, c'était 7, hein. Éliminer une créature révélée avec une vigueur inférieure à la créature adjacente que vous venez. Ouais, mais là, ça ne me sert à rien parce que j'ai assez avec mes 2 dés. Donc ces deux-là, ils sont morts avec mes 2 dés. Donc voilà, on a, comment dire, éliminé la première attaque, le premier passage de nos ennemis. Hein, on a tenu la nuit, on a tenu la nuit. Donc là, c'est fini. Si un damné est invoqué ici, vous pouvez choisir lequel dans la pile des damnés. Ah bah, j'ai même pas vu. Bon, je l'ai pas choisi. Ouais. Bah, déjà, ça, j'ai oublié de l'appliquer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a fait le premier passage. Et donc, à la fin du tour, hein, il y a marqué ajouter les ennemis non éliminés à la horde et épuiser les cartes capacité en fonction des dommages. Des créatures, seuls les aventuriers sentinelles peuvent épuiser des cartes. Voilà. Donc ensuite, on passe au tour suivant, révéler le lieu suivant. Hop. Donc là, qui sait? On jette les dés. Ouais, on va faire ça plutôt. Ouais. Un par un, parce que. 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, c'est pas folichon. Juste à 2 cartes déjà épuisées. 3, 8, 4. Un. Triple 1. Triple 1, toi tu peux que activer des cartes. Mais bon, tes cartes, elles sont pas mal. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Éliminer une créature qui a déjà un dé assigné sur elle. Donc toi, déjà, avec tes 2 dés, là, tu vas pouvoir en éliminer. Deux créatures adjacentes révélées, ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Ajouter une nouvelle créature, en fait. Et toi, 5, 2, 2. Ouais. L'idée, c'est vraiment pas ça. Hein. L'idée, c'est vraiment pas ça. Alors, maintenant, il faut qu'on choisisse lequel va se reposer. Bon, j'ai quand même des 5-5. Hein, là, ça, c'est pas mal. Le feu, j'aurais pas trop. Ah oui, ben je vais retourner. 1, 2, 3. Donc on est là. Il va falloir augmenter une fois le feu. Donc toi, tu as quand même 2 trucs épuisés. Peut-être toi qui vas y aller. T'as pas des grosses valeurs. T'as 5, 5, 3. Mais toi, tu vois, tu fais que du 5, 5, 3. Toi, 5, 5, 2. Ouais. Les aventuriers, hein. Et les actions préparer, réaliser une action, s'équiper. Un aventurier sentinelle peut également réaliser cette action. Ah, c'est pas mal ça. Toutes les créatures éliminées par la voleuse sont retirées du jeu définitivement. Résolver, révéler une créature et augmenter un dé à sa valeur maximale. Les attaques directes sont à portée de ce tour. Ah, c'est pas mal ça. Ok, donc c'est plutôt la voleuse qui ira. Parce que toi, augmenter le feu de 4. Hein, pour une action, je peux augmenter le feu de 4. Pas grave. Ok.
Voilà. Donc on dit que c'est la voleuse qui y va. La voleuse, elle part. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc déjà, elle rafraîchit une de ses compétences. Révéler deux créatures éliminées. Ça, c'est peut-être pas mal. C'est pas mal. Ok. Elle a rafraîchi. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va planifier? Ben, elle va mettre un petit 2. Tu vas augmenter le feu. Elle va mettre un petit 2. Oh, encore, mince. Un autre petit 2 pour préparer. Donc, réaliser une action, s'équiper. Ou. Voilà. Un aventurier sentinelle peut le faire. Ben, toi. C'est toi qui vas te. Hein, t'achètes, t'as fait 8, elle est super pratique. Et dernier, mon 5. Est-ce que je fais un planifié? Est-ce que je fais un planifié? J'ai pas de soin. S'équiper, toutes les créatures éliminées par la voleuse sont retirées du jeu définitivement. Allez, non, on va essayer un planifié. Donc planifié, c'est 1 et 1. Moins 2, 5. Ajouter au bout de la rangée la créature du cimetière avec la plus haute vigueur face cachée. Il n'y a que 5 et demi. Et là, ah, oh, le colon léger. Placer le dé lancé le plus faible sur cette carte, il ne peut pas être utilisé à ce tour. Bon, allez, ajouter au bout de la rangée la créature du cimetière. Non, 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 ça, toi non. Toi, je te retourne. On dit ça. Le col en léger, ça sera après. Donc là, on est parti au monolithe blanc. En tout cas, notre périple, on a commencé par une petite crypte tranquille. Hein. Après le monolithe blanc, on a marché un petit peu. On arrive, on est au feu. Et on a fini. Ensuite, on ira dans un col enneigé. On ira dans le col enneigé ensuite. Hop, hop, hop. On déplace. Donc, notre feu, il est toujours à 2. Par contre, en ennemi, on a donc, il y a marqué 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit 1. Oh, révéler. Première position. Oh là là là. Remélanger. Pff, révéler. Donc piocher une créature et ajouter-la à la horde. Voilà, on a déjà. Après, première position, remélanger une carte invocation dans la pile créature. S'il y en a une dans le cimetière. Mais bien sûr, c'est la première qu'on a piochée. Et on l'a remélangé la carte invocation dans la pile créature. Donc ça veut dire que on peut se choper les deux invocations maintenant de suite. Eh ben, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va tâcher de faire le maximum. On va voir, hein, si. Donc ça, c'est la première et la deuxième. Première position, oh, il a 10, lui. Une bête déchue, qu'est-ce qu'elle a? Piocher une créature et placez-la devant la bête. Activée seulement une fois. Ok, donc là, je pense qu'il faut lui mettre 8 plus 2. Alors, ah oui, ça c'est pas mal ça. Donc celle-ci, je pourrais la tuer. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. Oh, j'ai du 8. Ouais, j'ai quand même de la bonne valeur. Et puis là, lui, il va faire avec une vigueur de 8 ou moins. Bon, on va pas tout de suite le faire, peut-être. Éliminer deux créatures adjacentes. Révéler. Non. Éliminer deux créatures adjacentes. Révéler. Et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Ou est-ce qu'on élimine ces deux-là? Ça serait quand même pas mal.
Éliminer une créature avec un dé assigné sur elle. Ouais, on peut peut-être faire ça. Toi, de toute façon, tu vas pas bouger. Première position, on va attendre. On va attendre. Toi, maintenant, tu fais plus rien. On peut t'éliminer quand on veut. J'ai bien envie de faire éliminer n'importe quelle créature non révélée. Tiens, toi. Ouf, toi, la dernière, allez. Qu'est-ce qu'on élimine? Ah, une horde de zombies permanents. Ajouter la vigueur de la créature au sommet du cimetière à la valeur de la horde. Ouh, ben, c'est bon ça. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. Ça, c'est bon. Ensuite, et puis créature, ça peut être un damné. Ouais, ok, hein, je pars là-dessus. Hein. Ensuite, celle-ci, nous reste plus que 5 cartes. Hein. Ce tour-là devrait être assez sympa. Tous les aventuriers avec une capacité épuisée rafraîchissent cette carte. Ah oui, mais alors attends, ça c'est au début, c'est pas à la fin du tour. Ah oui, alors laquelle? Bah oui, c'était plutôt. Ah oui, rafraîchir. Donc celle-ci. Et celle-ci. Tous les aventuriers avec une capacité épuisée. Donc toi, c'est pas le cas. Et doivent épuiser une carte. Oui, je pense. Et donc toi, ton, rafraîchis celle-ci. Et puis le berserker, non. C'était épuisé. Et toi, tu es forcé de rafraîchir. Choisissez une créature révélée et considérez sa zone de texte. Et qui sait qu'on défausse? Est inférieur au résultat de ce tour. Ouais, bon, on va soupçon. Le souci, c'est que toi, tu étais au feu. Alors, le feu, c'est marqué révéler le lieu suivant. Donc, avant de lancer les dés, hein, c'était avant de lancer les dés. Donc, avant de lancer les dés, tu avais quoi d'épuisé? Tu avais ça et ça d'épuisé, tu as retourné ça. Hein. Oui, donc c'est possible. Ça, j'épuise celle-ci et je me rappelle plus. Je retourne celle-ci. Celle-ci, elle était aussi épuisée. Ah oui, donc je pouvais pas. Donc forcément, c'est celle-ci. Voilà. Oui, comme c'était avant de jeter les cartes et de choisir qui allait au camp. Fallait que je la fasse ça avant. Tous les aventuriers avec une capacité épuisée, donc on la rafraîchit. Voilà. Donc j'avais ces deux-là d'épuisés. Celle-ci non. Donc j'étais obligé d'épuiser celle-ci. Enfin de retourner une des deux. Ah oui, mais si celle-ci était épuisée, après je la. Voilà. Là, m'empoisonner, oui, je la refaisais. Donc, celle-ci était épuisée, j'étais obligé. Laquelle des deux? Les deux étaient épuisées, donc il y en a une que j'ai activée. Ah oui, mais celle-ci, forcément. Oui, donc celle-ci. Celle-ci reste comme ça. Voilà. C'est un peu compliqué, oui, parce que j'avais ces deux-là qui étaient épuisées. Donc, arrive le début du tour, j'ai retourné celle-ci. J'ai retourné celle-ci, j'ai épuisé celle-ci. Et à la fin du. Au camp, j'ai retourné celle-ci. Après, mon problème, c'est qu'ici. Ici, j'avais celle-ci. Mais elles étaient. Ah non, celle-ci, elle était épuisée. Ah ouais. Donc j'ai retourné ça, j'ai épuisé ça. Ouais. Bon. Allez, on va pas non plus. S'attarder. Alors, après on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plus personne. À la fin de tour, la portée des aventuriers est de plus 1. Portée, il n'y a que lui qui. Il n'y a que les deux là qui peuvent faire de la portée. Mmh.
C'est-à-dire que première position, lui, c'est déjà fait. Celui-là, moi, je peux l'attaquer avec ma hache de jet. Ça me fait 8. Si vous éliminez une créature avec un dé d'une valeur supérieure, je gagne la différence. Ben là, je suis trop nul. Donc, 8. On peut... Ah ouais. Non, oui. Je peux faire ça peut-être. Toi, je te mets 4. Et toi, tu joues éliminer une créature qui a déjà un dé assigné sur elle. Pof! Donc toi, tu es mort. La bête déchue. Tu descends. Permanent. Ah, qu'est-ce qu'il a ce permanent? Tracker d'ombre. Ah, le point de vie. La vigueur de base du tracker d'ombre est de 16 moins la valeur actuelle du feu. Notre feu, il est à 8. Donc il a 8 points de vie. Il a 8 points de vie. 8 points de vie, ben, je peux faire ça. Je prends mon 3. J'active ma hache de jet. Hop, le tracker, il part. C'est bien marqué. 8 points de vie à la seconde position. Ensuite, permanent, ajouter la vigueur de la créature au sommet du cimetière. Ah, donc 8. 8 plus 7, 15. Ben, on va faire ça. Toi, tu vas faire éliminer la créature. Éliminer deux créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle carte à la fin de la rangée. Oui, parce que 15 c'est énorme. Donc on élimine ces deux. Voilà, révélé. Révélé, il y a marqué le vampire vole le plus haut dé disponible. La valeur de ces dés est plus haute, c'est 8. Ah, purée. La valeur de ce dé devient sa vigueur de base. Oh là là, 8. Le vampire vole le plus haut dé disponible. La valeur de ce dé devient sa valeur de base. Alors pourquoi là ils n'ont pas mis un... Ah ouais, au minimum c'est 1. Non, pas. Éliminer une créature avec une valeur de 8 ou moins. Ah ben voilà. Ah ouais, mais première position, c'est ça. Piocher la créature. Une créature est placée là devant la bête déchue. 10. Oh, j'ai plus de dés, j'ai plus rien. On va se prendre un dégât, quoi. Jusqu'à la fin. Ah oui, je peux même pas l'attaquer, lui. Oui, je peux même pas l'attaquer. Oui, il m'a volé mon dé, là. 8 au moins. Ah, punaise. Ça, c'est pas bon. Mais je suis obligé. Je suis obligé de jouer ça parce que sinon je peux pas le tuer l'autre. Je suis à distance là. Si vous éliminez une créature. Ah ou alors je fais ça. 8. Ah ouais, on va faire ça. Allez, on l'épuise. Ouais, on refait l'action. Infliger 8 dégâts, 8 dommages. À une créature révélée en seconde position. Donc on fait 8, 8 plus 5, 15. Et 8 plus 5, 13. Ah non, je peux pas. Ah oui, ah oh, punaise. Et ça fait que 8, 8.
Oh, je peux pas l'attaquer de loin. Non. Ça, c'est pas bon. Je sais plus lequel de l'heure c'était. Un 2, je crois. Ou, je sais plus. Non, je sais même plus d'où il vient celui-là. Ah non, j'avais mon dé là. D'accord. Avec une vigueur de 8 ou moins, mais c'est la valeur de base, je crois. Valeur de base. C'est le problème, si je le tue, lui. Ah oui, le faire qu'une seule fois. Ah. On va faire ça. Donc on élimine lui. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Ok. Donc toi, tu passes premier, piocher la créature prochaine et placer là devant la bête déchue. Épuiser immédiatement une carte. Ah là 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 là, là c'est dur, c'est dur. Une carte capacité, puis remplacée par la pile des damnés. Un loup-garou. Oh là 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 là, on va se choper 5 dégâts. Bon bah la partie devrait être finie. Hein. La partie là est finie. Parce que je peux tuer personne. Peux tuer personne. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce que là, je peux rien faire. Ah, on était bien parti et toutes les créatures de la forêt d'un rocher, une vigueur doublée. Ouf. Oui, là je vois pas. Hein. Là je peux lui donner 8 dégâts, mais c'est tout. Et lui 10 dégâts. Ah oui, mais je peux épuiser des cartes. Ah oui. Éliminer. Alors, éliminer une créature qui a déjà un dé d'assigné sur elle. Ah oui, je peux quand même épuiser des cartes. Est-ce que j'élimine les deux et je rajoute une carte? Les 8 ou moins, c'est impossible. Ouais, ben. Ah ouais, j'aurais pu le faire avant ça. J'aurais dû épuiser cette carte tout à l'heure, peut-être. Non, celle-ci elle est active. Je l'ai pas faite. Ben, on va faire ça. On va épuiser celle-ci, éliminer deux créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle carte créature à la fin de la rangée. Donc ces deux-là, ils sont éliminés. Ah, c'est aussi un démon. Ah non. Et on rajoute ça. Dragon. Première position. Épuiser une carte capacité et moins 3. 2, 3. Et après, il a 11. Oh là 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 là. Ah oui, non révélé. Ouais, bon, on va faire ça. On arrête.
prends. Donc, qui c'est qui va épuiser une carte là? Bah toi, t'épuises ça. Première, épuiser une carte. Et capacité moins 3. Alors ensuite, ben on va faire ça. On te met 5 dégâts. Et toi, tu es obligé d'éliminer une créature qui a déjà un dé d'attaque assigné sur elle. Et toi, tu es mort. Hein? Eh ben, c'est pas joli, joli tout ça. Après, j'ai l'hydre éliminé. S'il y a encore des créatures dans la rangée, replacez l'hydre à la fin de celle-ci. Ça, c'est costaud aussi, ce petit damné. Alors, on y va. On reprend nos dés. Qui c'est qui va aller au camp? Et là, il n'y a plus rien. Hein. Placez le dé le plus faible sur cette carte. Il ne peut être utilisé lors de ce tour. Ok. Donc qui sait, on va lancer nos dés là d'abord. L'archère. 1, 7, on va le relancer, il était cassé. 3, 2, 1, 2, 3. Voilà, bien, 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 bien nul. Toi. Quatre, quatre, huit. Quatre, quatre, huit. Ok. Le petit jaune, notre petit sorcier. Ah, 6, 6, 6. Ouf. Bien. Et toi? 1, 1, 5. 1, 5, 5. 5, 5. Voilà. Donc là, placez le dé le plus faible. Alors, soit celui-là, soit celui-là. Le problème, c'est que elle va aller au feu. Donc, elle aura peut-être besoin de tous ses dés. Retournez face cachée, une créature révélée. Jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis par le feu de camp. Annuler le déclenchement révélé. Ouais. Donc toi, donc c'est le tien qu'on va mettre. On va mettre là. Le plus faible. Hein. Ok. Donc on a dit, c'est l'archère qui part au camp. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, il faut qu'elle remonte le feu. Avec un petit 1, elle remonte à 7. Ok? Non, parce que j'ai pas fait moins 3. Oui. Oui, j'ai pas fait le moins 3 d'ici. Hein. Oui. Éclaireur, elfe, piocher, regarder, ranger les quatre premières cartes du paquet de créatures. Bon, par contre, elle rafraîchit un truc. Peut rafraîchir ça. Allez, la passive, une fois par tour, vous pouvez relancer un dé dépensé pour une attaque directe. Sais pas si c'est ses dés à elle ou pas. Je sais pas. Donc ça, ouais, bah oui, il va falloir que les trois, ça va être trois feux, hein. Ah, même c'est pas bon. Ah oui, 2, 4, 6. C'est ça. Donc on n'a pas fait grand-chose, malheureusement, lors de ce tour. Et. Donc c'est 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le vendeur vole le dé le plus haut. Oh. Devient 8. Oh là là là, le vampire. Première position, moins 1. Ok. La fée. La fée. Donc, attaque de loin, il n'y a que toi. Mais toi, tu as des 6 quand même. Eux, ils attaquent pas de loin. Toi, tu peux faire que ça.
T2D, non, quand même pas. Et toi, révéler deux créatures, éliminer l'une d'elles dont la vigueur est inférieure à 10, c'est pas mal ça. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts. On va peut-être faire ça. Révéler deux créatures, éliminer une d'elles dont la vigueur est inférieure ou égale au résultat total de vos dés. On va révéler ces deux-là. Allez, on révèle ces deux-là. Donc lui, première position, le bandit vole un dé disponible au choix du groupe. Et 8, éliminer plus 2 au feu. Ah, c'est bien ça. L'homme arbre. Ouais, il rapporte quelque chose, lui. Et donc ce qui est bien, c'est que ma somme des dés, ça fait 10. Alors c'était au total de vos dés de ce tour. Donc j'étais à 10 plus 11. J'étais à 11. Donc le problème, c'est que je ne sais pas trop lequel éliminer. C'est marqué révéler, éliminer l'une d'elles dont la vigueur est inférieure ou égale au total de vos dés. Me dit que lui, il est quand même un petit peu en kikinant avec sa première position là. Ok. Donc j'élimine celui-là. Donc ils descendent, nos petits. Ensuite, portée, portée. Lui pourrait tuer à 6. Ah mais t'as plus que ça. Élimine une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Là, je pourrais l'éliminer. Ah bah voilà. Toi, élimine une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Toi, je peux t'éliminer. Donc l'avantage, c'est que le feu, il monte à 10. Ouais, l'homme arbre, on l'a brûlé, on l'a brûlé, on l'a fait. On l'a fait brûler notre homme arbre. Donc là, on retourne rien. Oui, on retourne rien. En fait, quand les cartes elles sont révélées, après on les retourne jamais. Hein? Hein, sauf celles où c'est mentionné. Donc après, je peux utiliser un dé pour l'attaquer à 8. Moi j'ai encore un 5 et les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts par créature révélée. Alors si je fais ça, plus de dégâts, c'est pas très intéressant. 6, ça serait bien, mais il faut qu'elle soit en première position, mais ça me fait baisser mon feu. Et puis là j'ai un 8 là. J'ai éliminé laquelle, moi, tout à l'heure. Une valeur de 8, j'ai joué mon dé? Ah oui, j'ai éliminé l'arbre. Ah oui, alors que c'est celui-là que je voulais peut-être éliminer. Ah oui, mais après, elle est passée en première position. Oui. Infligé 8 dégâts. Ben on va faire ça. On inflige 8 dégâts à elle. La fée, elle disparaît. Toi, le golem. Aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. Bon, lui, il n'est pas premier. Et 4, ça fait 9. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts par la créature révélée. Ça, c'est pas mal.
Parce que toi, tu joues ça, 6 plus 2, 8. Enfin, plus 4, ça fait même 10. Donc toi, tu es mort. Un aigle, ouf, on a de la chance. Toi, 4 plus 4, 8. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus 2 dégâts par créature révélée. 1, 2, donc ça fait 4 plus 4, 8. Donc toi, tu es mort. Aux créatures de la rangée de derrière. Donc ça, c'est bon. Toi, tu descends. Et ben, t'as un petit 6 pour mourir. Ben, on a eu de la chance. On a eu quand même de la chance. On reprend nos dés. On reprend nos dés. Toi, t'avais pas fait grand-chose. Voilà. On repart. On revient. On revient. On en est où? On avance pas des masses. On révèle. C'est marqué. On révèle d'abord la carte 0. Ah, le feu diminue pas, mais 8 ennemis. Relais perdu. Tous les aventuriers peuvent augmenter de 1 la valeur de leur dé le plus faible. Oh ben là, elle n'est pas trop méchante celle-ci. Bon, il y a 8 ennemis, ça c'est clair. Et nous, on reste à 10, ça c'est bien. Tous les aventuriers peuvent augmenter de 1 la valeur du dé. Peuvent. Allez, toi. 6, 4, 2. Bon, ça pourrait faire 6, 4, 3. Bon, là, de toute façon, toi, tu vas aller. Ah, 8, 6, 6. 8, 6, 6, c'est super fort ça. 1, 6, 4. Et toi? 2, 6, 2. C'est laquelle l'action là? Ici les doublons là. Ouais, mais il faut en utiliser. Ah, après j'ai un 6. Ah si, je pourrais soigner. Que va-t-on faire? Est-ce que c'est toi qui vas? Mais toi, tu as des super valeurs. Ah, tu pourrais soigner quelqu'un. Après les autres, éliminer n'importe quelle créature non révélée. Ça, c'est bien ça. Donc on pourrait augmenter déjà. Ah mais toi, tu as des super valeurs là. Est-ce que ça vaut le coup que tu y ailles? Éliminer deux créatures adjacentes, révéler, ajouter une nouvelle créature. Toi, tu pourrais soigner quand même. Bon, le feu, c'est pas la peine, mais on pourrait soigner. Planifier. Et s'équiper jusqu'à la fin du tour. Tous les dés des aventuriers assignés à des créatures avec une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Diminuer la valeur d'une créature de moitié. Oh, c'est bien ça. Ouais, mais ça me fait utiliser un dé. Et le feu augmente de 4. Bon, bah allez, c'est toi qui y vas, même si tu as des super résultats. Révéler deux créatures. Ouais, parce que là, ça me fait du 6, du 8, du 14, du 7 même. Non, je pense pas que tu y ailles, toi. Allez, c'est la voleuse qui va y retourner. Ouais.
Voilà, c'est la voleuse qui retourne pour son deuxième tour. Alors bon, elle peut prendre un 3, mais... Donc là, qu'est-ce qu'on met? Plutôt un 5. Toi, un 7. Et toi, un... Un 5, peut-être. Un 5 ou un 7. Un 5. Ok, on fait ça. On fait ça. Donc, que fait la miss? Donc, la miss, elle peut faire une action s'équiper. J'avais un 6, hein, je crois. Elle va faire une action planifiée. Et peut-être une autre action. Ah, si c'était un 6, j'aurais pu faire ça. Ah oui, mais planifier c'est 4. Ouais, et puis ça, on verra après. Donc déjà après, bah. Alors toi, jusqu'à la fin, diminuer, ça c'est peut-être pas mal. De moitié. À place de ça. Sauf qu'elle est épuisée, bien sûr. Pas bien grave. Elle est épuisée. Tu fais un planifié, donc c'est ça et ça. Laquelle on prend? Ah, enfin un campement, un petit campement. Le feu de moins 4, 7 ennemis. Choisissez deux cartes à rafraîchir quand ce lieu est nettoyé sans que les créatures aient rejoint la horde. Sans que des créatures. On peut rafraîchir deux cartes. Le feu plus 2, augmenter la vigueur de toutes les créatures de la forêt de 1. Oh, j'ai vraiment pas de chance, hein, parce que quand même. Quand même, là, celle-là, elle n'est pas si enquiquinante que ça, quoi. Temple caché. Mais ça, c'est quand même bon, le feu de 4, on a autant d'ennemis, mais bon, pas grave. Donc, on a fait ça. Et ensuite, avec la dernière, et faire encore s'équiper. Donc, s'équiper, je crois que c'est moi. Forcément moi. Toutes les créatures éliminées par la voleuse, révélées. Ça, c'est passif, hein. Ah oui, mais il n'y a même pas de dés à jouer. C'est vrai. Et augmentez de 1 vos dés à la valeur 1 de vos dés à vos attaques directes sont à portée 2 pour ce tour. Non. On va prendre ça. Révéler deux créatures, éliminer. Révéler deux créatures et éliminer l'une d'elles. Deux prochains tours. Allez. On va mettre la dague de jet. Voilà. Ah oui, mais je l'ai pas. Ah oui, je me suis pas soigné. En fait, il faut que je me soigne. Donc celle-ci, finalement, deck de guet, elle est active pour le prochain tour. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Toi, tu as fini ton tour. Tu as fini ton tour. Tous les aventuriers peuvent augmenter de 1 la valeur de leur dé. Ok, et 8. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là, c'est vraiment un maxi. On a un feu à 2. Première position, un feu à 9. Deuxième, révéler, échanger cette carte avec la créature du dessus du cimetière. Échanger cette carte avec la créature du début. Ben, on a eu de la chance. Hein. On a eu de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on en a une à 5. Celle-ci est pas mal de la garder. En première position, elle fait rien. Est-ce qu'on peut la taper à 5? Jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1.
peut-être pas mal ça. Je me dis que ça, c'est peut-être pas mal pour un petit dé. Parce que toi, tu pourrais attaquer à deux. Ouais, allez, toi, jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de deux. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, avec ton petit 5. Bah, j'ai bien envie de faire ça avec mon 5. Quoique toi, est-ce que... Avec des 1, des 4, c'est pas super top, hein. Ou mon 5 là-bas. Mais les deux attaquent de loin, donc c'est un peu pareil. Mince. Mince. Mon 5. Tu me donnes le dé. Merci. Alors, on repart. Alors, avec mon 5, je tue celui-ci. Hop, la fée est par là. Toi, tu descends. Révélé. Ah, non, révélé. Hop, mince, il ne faut pas que je regarde. J'ai retourné, heureusement que j'ai pas vu ce que c'était. Donc premier révélé, piocher une créature, ajoutez-la à la horde. Oh là 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 là. Acolyte. Ah, et ajoutez-la à la horde. Ah oui, ici. Donc c'est à la horde. Et première position, une invocation. Donc lui, il faut le tuer à distance. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bien envie de le tuer là, éliminer une créature, ou alors avec ma hache de jet. Ah, mais j'ai des grosses valeurs. Ah, mais j'ai porté de 1. J'ai porté de 1 grâce à l'aventurière. Hop, je remets ça. J'ai porté de 1, donc l'acolyte, il est mort. Celle-ci se révèle, je l'avais vue, mais je ne me rappelle même pas ce que c'est. Ah, un loup. C'était un petit loup. Un petit loup sympa, donc ça va, ça. Un petit loup sympa. 5, mais je pourrais le tuer. Hein. Portée de 1, ouais, c'est surtout pour lui, quoi. Ouais, ça, c'est quand même plutôt intéressant quand les deux sont dans la... dans le combat. Bon, ça va quand même. Après, éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Ok. Éliminer deux créatures adjacentes. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. Me dis... Prendre mon 5 là pour éliminer celle-ci. Alors, marbre, un autre arbre. Ah, mais par contre, lui, il est à 9. Hein. 9 plus 1, 10. On pourrait faire ça. Ah, ouais, mais il y a encore lui là. Il y a encore lui là. 4. Dès là, éliminer votre. Ouais, je me dis, je vais quand même faire ça. On va éliminer celle-ci. Allez. Un gobelin. Ça, malheureusement, tu peux plus rien faire, mais par contre, on a ça. Alors, ouais, là c'est du 8, hein, c'est pareil. Ça, plus ça, on va dire que ça va m'éliminer l'homme arbre qu'on a importé de plus 1. Et on gagne plus 2. 1, 2. Première position, moins 3 au feu, la viverne. Elle a 6. 6, je pourrais la tuer.
Ouais, il y en a une qui va survivre, hein. Les six ont eu la viverne. Six ont eu la viverne, il m'en reste deux. Ah ouais, mais celle-là, pareil. Si des squelettes sont au sommet du cimetière en fin de tour, placez-les en début de rangée au début du tour. Ah, il faut le tuer maintenant. Sauf qu'ils ont neuf. Ah, oh, punaise, ils ont neuf. Ils ont neuf, les coquins. Donc celle-ci, je pourrais la griller. Ça me fait 8 points, plus 6, 14. Eh mais il faut le tuer d'abord, lui, en plus. Ah oui, bah là, on est un peu cuit, là, parce que... Bah, on est obligé de la griller. Pour lui filer 8 dégâts. 8. Plus 6. Donc le squelette, il n'est pas. Hein. Si les squelettes sont au sommet du cimetière en fin de tour, c'est pas le cas. Pas pour l'instant. Et ensuite, je suis obligé de griller cette carte. Pour tuer. L'aigle. Ok, donc ils sont tous morts et il y a marqué. Ah ouais, non, ça c'est pas bon. Ok, donc là on a fini. On a fini. On a fini ce tour. On ramène notre feu de camp. Qu'est-ce qu'on a? On a notre temple caché, le feu moins 4. 4, 7. Ah, c'est pas mal ça. Choisissez deux. Après, c'est marqué. On y va. C'est pas mal ça. Choisissez deux cartes à rafraîchir quand ce lieu est nettoyé sans que les créatures aient rejoint la horde. Donc là, pour l'instant, on l'a toujours pas nettoyé. On lance nos dés. 3, 3, 5. On est nul. 5, 7, 3. Ah, toi, tu as toujours des bons tirages, mais là, il va falloir que tu ailles au camp. Là, de toute façon, tu es épuisé. 5, 6, 3. Et toi, 4, 2, 2. 4, 2, 2. Bon, toi, les. 4 de 2, je sais pas si on va pouvoir nettoyer notre truc. Bon, bah, c'est toi qui vas au camp. C'est toi qui vas au camp. Donc, au camp, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire au camp? Bon, déjà, tu en rafraîchis une. Donc, ça, là, je le jette. C'est pas mal. Ensuite, ça, c'est pas mal. Est-ce que je me fais m'équiper? Ah, est-ce que je fais une action pour augmenter de 4 le feu? C'est peut-être pas mal. Donc, 1, je me suis soigné. 2, augmente le feu de 4. 1, 2, 3, 4, ça c'est pas mal. C'est même bien. Et après, il me reste 2 dés. 2 dés. 1, je peux planifier. Planifier, pareil, j'espère que je vais tomber sur un campement. Alors, moins 6, 7, moins 6 le feu pour chaque dé
Dépenser sur l'action couper le bois, augmenter de 3 le feu. Forteresse maritime. Ah, on va aller au bord de l'eau. Si un damné est invoqué ici, placez la carte invocation sous la pile créature. Ah ouais, on la remet dans. Peut-être prendre ça. On va peut-être laisser ça. Même si le feu il se prend 6. Parce que là, je sens que des invocations, on va encore en avoir de nouveau. Avec la chance qu'on a. Et s'équiper. On va peut-être s'équiper. Ah oui, c'est pas se soigner, c'est s'équiper. Ah oui, s'équiper, non, c'est pas terrible. Sont doublés. Jusqu'à la fin du tour, tous les dés des aventuriers assignés à des créatures avec une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Éliminer une créature révélée avec une vigueur inférieure à une créature adjacente que vous venez d'éliminer. Ou alors je coupe du bois. On coupe du bois. Allez, comme ça, on va en révéler 3. On en révélera 3. Voilà, on va essayer, hein. Donc 7. Donc 1. Donc là, par contre, ça serait bien de tout choisir ces deux cartes à rafraîchir. Quand ce lieu est nettoyé sans que des créatures aient rejoint la horde. Le problème, c'est que là, ouais, c'est pas le. Ah, mais lui, il a plus rien. Ah, mais lui, il peut rien faire. Il peut qu'attaquer. Ah, ouais. Ah, ouais, bah alors là, ça va être super compliqué. En plus, avec les petits dés pourris. Ouais, bon, allez. 7, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Et donc là, on peut en afficher 3. Permanent, la vigueur du serpent de base du serpent de feu est égale à la valeur actuelle du feu de camp. Oh punaise, 13. Échanger cette carte avec la créature du dessus du cimetière. Ah, ben il n'y a plus de dessus du cimetière. Donc bon, on n'échange pas. Oui, il n'y a plus de cimetière. Et 3, permanent, à la vigueur du géant, est toujours ajoutée la vigueur de base de la créature derrière lui. Donc on doit la révéler. 11, oh là là là, première position, épuiser la carte. Oh là là. Alors là, ça va faire mal. Bon, au moins, on en a déjà 4. La vigueur du serpent vase est égale à feu. Ah ouais, c'est celle-là. Celle-là, elle est 13. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. Parce qu'à la fin du tour, 13. Révéler une créature et augmenter un de vos dés, sa valeur maximale. Vos attaques sont portées de ce tour. Révéler deux créatures, les deux prochaines attaques révélées. Ah là, j'ai 11. Ah ouais. Bon, on va peut-être faire ça. Peut-être ici, d'en éliminer une comme ça. On va voir. Donc, il y a marqué révéler deux. Je joue un dé. Révéler deux créatures et éliminer une d'elles dont la valeur est inférieure ou égale au résultat de vos dés de ce tour. Donc là, on est à 11, 14. Donc on va révéler ça. Elle est à 7, première position. Et toi, 8. Oh là là, si je tue l'arbre. Hein. Ben, on va éliminer celle-ci, hein. Ah, j'aurais pas pu sortir celui-là, là.
Ah, et puis celui-là, il a 15. Non, mais c'est pas vrai. Alors, quand je vais le tuer, ça va augmenter de 2. Et lui, il peut rien faire. Éliminer. Oui, là, j'ai pas bien joué. Révéler une créature, augmenter un de vos dés, sa valeur maximale. Porter 2. Ah, je suis déjà à 6. Alors, éliminer ah, n'importe quelle créature non révélée. Allez, hein, on élimine celle-ci. Ouf, c'est les squelettes. Ça, c'est pas mal. Ensuite. Là, lui, il faut le tuer. Ah là, ils vont nous assassiner, là, tout ça. Lui, il peut rien faire. Lui, il a 8. Lui, il peut faire des attaques directes 8. Lui, tu pourrais tuer lui s'il est. Ah ben non. Non, non, à la vigueur, 8 plus. Ah oui, il peut pas. 19. Alors lui. Alors si lui, on le baisse. Lui, on pourrait le tuer. C'est lui qu'il faut tuer après. 11. Et là, j'ai 11. Révéler une créature, augmenter un de vos dés à sa valeur maximale. Ah oui, mais alors c'est vrai, je peux épuiser. Là, je peux faire. Ah, j'aurais pu épuiser. Lui, c'est déjà tout épuisé. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite. J'aurais, enfin bon, lui aussi, il avait tout épuisé. J'aurais dû garder lui. Il avait plus de dés, je pense. Bon, là, je suis à 8. Lui, il est à 13. À 13. 11. 13. Je me demande même si on va pouvoir en tuer. 2, ça c'est sûr, mais lui il me fait qu'un dégât. Donc si je m'attaque à lui, 3, 3, avec mon dé de 3, bon, il est mort. Avec mon dé de 3, il est mort. Ah non, mais je crois qu'il peut même pas participer. Ah non, 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 parce que lui, il peut même pas participer. Oui, dans les règles. Dans les règles, c'est marqué qu'il peut même pas participer. Oui. Donc c'est comme s'il perdait tous ses dés, quoi. Ah oui, je crois que c'est ça. Je regarde ça, mais il me semble que c'est ça, face de guet. Capacité, je crois que c'est marqué. Hein. Oui, il me semble que c'est bien écrit en plus. Hein. Donc là, on devrait pas. Sais plus où c'est écrit. Campement. Exemple de premier tour, hop, 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 phase de guet, vérifier sur la carte lieu. Intensité.
Hop, j'arrête. Je reprends. Oh, mais où est-ce que c'est écrit ça? Je mets en pause, je regarde. Ouais, c'est là. Lorsque toutes les capacités d'un aventurier sont épuisées au début de la phase de guet, il ne peut pas participer au tour en cours. Donc, toi, hop, t'as joué. Donc, tu peux rien faire. Bon, bah, 3, on va tuer celui-là. Ils sont là. Là, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ensuite, ils sont plus que deux. Et donc, qu'est-ce qu'on a? En tout, on a 15. On a 16, 16 d'attaque. Donc lui, on ne peut pas le tuer. Bon, ben, je crois que la partie est finie. La partie, je crois qu'elle est finie parce que la portée de tous les aventuriers, celui-là, on pourrait ouais, peut-être le tuer. Si j'épuise ma capacité, on augmente. Donc toi, ah ben non, toi tu peux pas. Non, parce que même si j'attaque à plus de... Ah, le nombre de... Ah oui, j'ai pas vu ça. Parce que là, des révélés, il y en a 4. Donc ça fait plus 8. Alors, plus 8. On peut peut-être faire ça. Donc toi, tu fais ça. Les deux prochaines attaques directes. Quoique même, tu vas plutôt l'épuiser, on va dire. Tu l'épuises. Les deux prochaines attaques directes du groupe infligent plus 2 dégâts par créature révélée. Plus 8 là. Si celle-ci, jusqu'à la fin du tour, augmentait la portée de tous les aventuriers de 1. Donc elle, elle peut attaquer là. Donc 8 plus 5, 14. Que ça c'est 8 plus 5 ouais 8 plus 5 13 donc lui est mort mais lui il aurait 14 ah ouais mais bon il me fait les 3 dégâts alors que l'autre non ok donc ça lui il part à la poubelle première position épuiser une carte et capacité donc ça c'est bon 5 plus 8, 14. Là, on n'a plus que 6, plus 6. Plus 6. Mais il a porté de plus à 1. Donc, elle, elle peut attaquer lui. Ah oui, mais lui, il a lui plus lui. Ah, la vigueur du géant. Ah oui, ça fait 16, 12. Là, c'est révélé, 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 c'est pas possible. Donc lui, en fait, il a 16 de points de vie. 16. Alors, si je prends les deux. En fait, ça me fait 2 dégâts. Dans tous les cas, ça me fait 2 dégâts. Donc... Et lui, il a... Lui, il a exactement 13. Il a 13. 13 et lui, 16.
Oh, 6 plus 6, ça fait 12, c'est pas bon. Révéler deux créatures et éliminer une d'elles. Non. Alors, soit je me chope les deux dans la horde, soit il me file deux dégâts en plus. Oh là 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 là, là on est fini là. Il y en a plein qui ne pourront pas jouer là. Là, il faut soigner tout le monde. Ouais. Ouais, parce que 1, 2. Ouais, il y en a deux qui vont. Alors. Donc la première, c'était celle-ci. J'ai tué ça. Ensuite. La deuxième attaque, c'est celle-ci. Et donc j'ai 11 plus 6, 18. Alors que lui, il a 13, donc ça, c'est pas possible. Et celui-là, je pourrais l'attaquer, il a 16. Alors soit je rajoute les deux ennemis. Sauf que les deux, ils sont associés et c'est pas bon du tout. Oui, je peux. Soit je rajoute celui-là et celui-là, ouais, donc c'est pas possible. Soit je me prends 3 dégâts, ouais, parce que là, 11. Donc, bah non, je suis obligé de faire ça. Hein. Donc, toi, je te mets 6, 12, 17 pour te tuer. 17, mince. 17. Et puis, ben, on est cuit. On ne peut pas faire autre chose. C'est lui qui est mal joué. Donc, deux dégâts. Deux dégâts, les cocos. En plus, ils combattent les deux, là. Deux dégâts. Et alors, parmi. Oh là là. Toi, tu es obligé d'en mettre une. Et toi, t'en mets une aussi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fini ce tour. Malheureusement, on n'a pas. Oh, mince. On n'a pas réussi notre challenge. Hop là. On n'a pas réussi notre challenge. Voilà, qui était de choisir deux cartes à rafraîchir quand ce lieu est nettoyé. Donc ça n'a pas été le cas. Ensuite, on révèle le lieu. Pour chaque dé dépensé pour l'action. Donc moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah c'est bon. Ça c'est bon. Mais là il va falloir se soigner. Hein. Il me faut des 6. Il me faut un triple 6. Ça serait bien. Oh là là. Allez. Allez. Et celui-là en plus il me sort maintenant les dés qui servent à rien. Ah ça c'est bien. Sauf que toi tu es épuisé. Tu es obligé. Toi de te faire soigner. Mais il n'y a pas de 6. Oh là là, j'ai aucun 6. Et elle, elle a déjà fait deux repos. Ah oh, mince. Bon. Là, c'est un peu cuit. J'ai aucun 6. Y a personne qui soigne. Qui c'est qui peut aller se reposer? Bah, les deux qui ont des actions, ils vont pas y aller, ça c'est sûr, c'est soit toi, soit toi. Mais des deux, il n'y en a personne qui peut bosser. Il n'y a personne qui peut bosser. Toi, tu sers à rien, t'as même pas de 6. Hein. Tu vas même pas nous aider. Toi, t'as des grosses valeurs, mais si tu vas pour faire quoi? T'as un 4, toi, quand même, pour aller là. T'as un 4, mais c'est tout. Téléportation, piocher les trois cartes, et toi, piocher, regarder, réarranger les paquets créatures. Bon, bah, c'est plutôt toi qui vas y aller.
Toi, de toute façon, tu joues pas. Ce tour-ci, tu peux rien faire. Donc avec tes 3D, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu en rajoutes. On va remettre celle-ci. Ensuite, on va faire une téléportation. Donc, on prend les 3, 3, 1, 2, 3 et une ici. Alors, ah, là, il y a du campement. Alors, moins 3, 6. Choisissez un damné à sceller. Action rune. Mélanger la pile d'années. Un damné à sceller. Sceller, c'est quoi? Retirez un damné du cimetière et placez-le au-dessus de la pile d'années. Dessous de la pile d'années. Alors, après, plaines arides, diminuez de 1 la valeur de camp de moitié. La valeur du feu de camp de moitié arrondie à l'inférieur. Et là, action campement requiert des dés de n'importe quelle valeur. Ouh, c'est cool ça. Donc là, on pourrait en soigner un, pas trop dur quoi. Ouais, c'est peut-être pas trop dur. Et les pilotes, c'était la caverne glacée. Réduisez la vigueur de tous les dragons de 2. Ah oui. N'importe quel, ça c'est pas mal ça. Ouais, on va mettre ça. Ah, et après, il y a encore 2 lieux, mais on ne sera jamais vivant. Après, oui, il faudrait que je mette mon campement, bien sûr, tout là-haut, hein. Voilà. Commence à avoir du monde dans la défausse. Ok, donc ça, c'était ma première action. Deuxième action. On va peut-être s'équiper. S'équiper. Non, s'équiper. Non, s'équiper, échanger une créature de n'importe quelle autre présente dans le cimetière. Passive pour chaque point ouais, de feu. Non, non, non. Donc s'équiper, non, ça vaut pas le coup. Bah, couper du bois et couper du bois. On va couper 2 fois du bois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc toi, t'as joué. Sauf que vous êtes plus que 2 au combat. Et on va avoir 7 persos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on a le feu qui monte à 2 seulement. Loup-garou, toutes les créatures de la forêt, on va leur doubler. Ok. Et première position, la viverne. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bah on y va. Sauf que c'est un... Ah, c'est notre damné de tout à l'heure. Ok. Donc toi, tu joues pas. On n'est que 2. Révéler 2 créatures et éliminer l'une d'elles dans la vigueur. Ouais, non, on pourrait faire. Allez, on révèle ces 2-là. Une et 2. Ah, c'est 2 aigles. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va éliminer celui-là. Ah oui, ça, c'était avec un des 3. Ensuite, 11. 11. J'ai envie de faire ça pour t'éliminer, toi.
Ah, les créatures de la forêt, mince. Doublé. Donc j'avais 8. Ah ouais, j'avais fait 11. Ah, donc lui, il a 6 points de vie. Ah, il a 6 points de vie, lui. Ah ouais, en plus, on fait que des attaques. On fait que des attaques. Bah, on révèle ces deux-là. Wow, de toute façon, on a. Là, je me sens vraiment. Voilà. Donc, on révèle ces deux-là. Une et deux. Huit. Révélez, placez-les en première position. Permanent, ajoutez la vigueur de la créature au sommet de la pile à la horde de zombies. Ah ouais, bon. Je suis obligé d'éliminer celle-ci alors. Ça fait 6, ouais, 6, ça fait 14. Après, c'est le précipice infernal, on s'arrête plus. Quand on commence vraiment à perdre, ça vient très très dur. Ajoutez la vigueur de la créature au sommet du cimetière, à la vigueur de la zone, de la horde de zombies. Lui, je pourrais la désactiver. Ouais, c'est la seule que je peux attaquer de loin. Donc là, j'ai 8. J'ai 8. 8. Oh, on va jamais y arriver. Bon, lui, de toute façon, il faut le tuer. Ah ouais, on est obligé d'utiliser les trois, là. Ben, ça, plus ça. On tue le loup-garou. On tue le loup-garou. Donc, lui, il a 19. 19, c'est impossible. Et toi, ben, je suis obligé de te tuer, toi, hein. Je peux rien faire de plus. Hein. Ben, je te tue, toi. Peut-être que. Donc lui, il est passé à 11. Hein. Qu'est-ce qu'on libère? Un loup. Ah, le loup. Là, on est mort. Là, on est mort. On est mort parce que je peux pas défausser. Voilà, fin de partie. Fin de partie, pourquoi? Parce que si je le tue, pour le tuer, lui, il faudrait que j'épuise celle-ci. Épuisé, il nous fait une attaque. Le problème, c'est que toutes mes cartes sont épuisées et c'est la fin de la partie. On regarde vite fait. Fin de partie. Fin du jeu. Fin du jeu. Il y a marqué. Les joueurs gagnent la partie en explorant les 9 lieux avec succès. Vous pouvez remporter la partie sans éliminer. Bon, c'est pas grave. Les joueurs perdent la partie si tous les aventuriers sentinelles sont épuisés à la fin d'un tour. Ou si une carte invocation est révélée, mais que la pile damnée est vide. Voilà, donc ben voilà, hein, moi je peux rien faire parce que sinon je me prends deux dégâts. Hein, si je fais plus rien, je peux en défausser une, mais pas l'autre. Voilà, bon, ben bilan, c'est quand même bilan du jeu, c'est quand même très, je trouve que c'est quand même assez dur. C'est quand même assez dur. Après, il faut bien étudier avant les cartes. Voir comment on les utilise, comment on peut les utiliser, parce que quand même, j'ai l'impression que certaines doivent comboter d'une certaine manière. Enfin bon. Et puis après, je me dis que
C'est important d'avoir des bons tirages, ça c'est clair. Après, il vaut mieux jouer tout seul, je pense. Parce que à 2, ça va, même à 3 ou à 4, on peut jouer à 4, mais ça va embrouiller énormément. Parce que chacun va avoir son idée. Et au final, il n'y en a qu'un qui va décider pour tout le monde. Ça, c'est pas bien du tout. Après, je pense qu'il faut bien mettre. Bien sélectionner ces joueurs qui partent pas, ne pas avoir que des persos qui vont au combat. Bon, il y en a trois qui vont au combat et puis trois à portée. Mais bien dans le choix de ces personnages de base, bien gérer ça. Et puis après, rien de plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien choisir ses persos, bien voir quand est-ce qu'il faut qu'ils aillent au repos, hein, chacun leur tour. Et puis, alors c'est là où je me pose la question, c'est épuiser sa carte en cours de jeu, c'est quand même dangereux, quoi. C'est quand même super dangereux parce qu'après, on a vite fait d'avoir toutes nos cartes épuisées. Et des persos qui peuvent pas jouer parce qu'ils ont toutes leurs cartes épuisées. Ah ouais, il faut bien faire attention de toujours, je pense, hein, à chaque fin de tour, il faut peut-être en avoir qu'une seule d'épuisée. Une seule d'épuisée, voire maxi deux. Allez, deux épuisées. Et puis bah si on n'a que deux épuisées, il faut s'arrêter là parce que. Et encore, maxi 2 épuisés, sans prendre de dégâts, hein, bien sûr, sans prendre de dégâts. Sinon, une. Pour essayer au moins de toujours avoir une action valide pour les tours suivants, parce que perdre 3 dés, c'est énorme. Perdre 3 actions, 3 dés de dégâts, c'est énorme. Si elle avait joué, je pense qu'on se serait débarrassé de toute la horde, là. Mais bon, sinon, c'est un très très bon jeu qui donne envie de rejouer, même si ça paraît compliqué, un peu dur. Et puis bon, on n'a pas eu non plus trop trop de chance, hein, parce que les damnés qu'on a invoqués, Loup-Garou 11, après je crois qu'il y en a un autre là-bas, l'autre damné qu'on a raté, celui-là, ouais, celui-là, à part celui-là, le Lich, là. Aucune carte capacité ne peut affecter la carte créature de la rangée placée derrière la liche. Aucune carte capacité ne peut affecter. Non. Aucune carte capacité ne peut affecter de carte créature de la rangée placée derrière la liche. Oh. Non, ne peut affecter de carte créature de la. Oh là, c'est bizarre ce texte. Ouais, aucune carte capacité ne peut affecter de carte créature de la rangée. Ne peut affecter de carte créature. Ah, peut-être, oui, ne peut affecter. D'accord. Derrière. De la rangée derrière, ouais. Ok, donc il faut vraiment la tuer pour pouvoir agir sur les cartes suivantes. Ok, bon bah je vais ranger et puis on va s'arrêter là. On fera sûrement une autre partie plus tard, voir si on se débrouille mieux, hein, avec un peu plus de chance. Il nous restait combien de lieux? Ah, il nous restait encore 2 lieux et après le boss. Ouais, on a souffert quand même. Ok, allez. Ouais, rien de plus.